Bonjour à tous, je me permets de faire cette vidéo pour un petit peu raconter notre séjour, 14 jours dans cet hôpital d'Agadir, Hassan II. C'est vrai qu'au début, les premiers jours ont été difficiles, l'accueil était difficile car le cadre était difficile, la panique de tous était difficile. Maintenant, avec le recul, on a bien compris combien pour tout le monde, c'est le gros stress, c'est la... L'incompréhension, c'est la souffrance, c'est la panique. Mais il y a une chose qui est très importante pour vous, les Marocains, c'est que vous avez un service médical à Agadir qui est vraiment extraordinaire. Malgré leur stress, ils ont toujours su être humains, ils ont toujours su réconforter. C'est vraiment des êtres exceptionnels. Nous avons eu la chance, là aussi les moi, d'avoir eu le corona ici. J'ai préféré être chez vous, au Maroc, qu'en France. L'État marocain a su réagir très vite pour nous donner les médicaments adéquats pour pouvoir guérir. Nous avons malheureusement perdu Bernard, ça a été très difficile. Son épouse est toujours là avec nous, on attend encore l'autorisation de sortir de l'hôpital. Moi, je n'ai pas encore reçu mes résultats. On est toujours en attente de nos résultats, mais sachez que vous êtes vraiment dans un pays qui assume sa responsabilité. En ce qui nous concerne, nous avons été plus que bien soignés. Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer. Et j'ai un autre message à vous passer. C'est que le monde peut s'effondrer par ce coronavirus, mais le nouveau monde va naître. Et il est déjà en train de naître. Car nous allons plus vivre comme avant. Nous allons apprendre à retrouver ce qu'est la vie en commun. On va quitter le monde individualiste. On va quitter le monde capitaliste. On va plus se raccrocher à ce qu'est l'amour de cœur à cœur, d'âme à âme. Et ça, c'est notre nouveau monde. Ce coronavirus est venu nettoyer la planète pour changer de dogme, de système, de pensée. Nous sommes sur cette terre tous ensemble, tous unis, pour la protéger et pour la respecter, pour arrêter de la polluer par nos besoins futiles. Nous sommes là pour nous aimer et nous entraider. Voilà le message que j'avais à vous passer. Shukran Zawja Diali. Kanchkra bzaf. دازت في واحد المرحلة يعني حرجة جدا يومين تحت الإنعاش وغير لكم لو ستريس فاش كنت عايش من الحمد لله دار ثقة كبيرة كبيرة بزاف في الطاقم الطبي ديال أكادير والله أنا ما ننساش الخير ديالو ما ننساش التعب ديالو ما ننساش جميع الوسائل اللي قدمها لينا والأصدقاء ديالنا والناس كلشي يا سلام يا سلام وحنا الان دابا كنتسنى نتائجنا ولكن الله سبحانه وتعالى وجميع حاسين براسنا نحن الحمد لله تشافينا وتعافينا بفضل هاد الناس هادو اللي صارعين صباح وعشيه كنشكرهم بزاف بزاف ونعاود نكرر الشكر لهاد الناس هادو الله يحفظكم الله يخليكم لولادكم ولعائلتكم والنداء الاخير الشعب المغربي والناس عقادير والقاطبة جميع أنحاء العالم أنهم الله يرحم والديكم يزمو ديورهم ويتسناو تتفوت هاد الأزمة بخير وعلى خير والزوجة تاعي في حق الله هضرات بوضوح تام ومن خالص القلب ديالها بأن هاد الفيروس هذا راهو ما جا إلا باش يعطينا أمل في عالم جديد إن شاء الله مليء بالحب وبالطمأنينة ولونتخيد شكرا لكم بزاف والله يعفو على الجميع كنشكركم بزاف وكنشكر بزاف الطاقم الطبي والسلطات المحلية وكاع الناس اللي ورا هاد التدهور باش القضاء على هاد الفيروس هذا ديروا فيهم الثقة أنا كنهضر معكم وكنوصيكم ديروا الثقة في هاد الناس هادو والله راهم كف لهذه المهمة شكرا لكم بزاف ميرسي